Ce mardi matin à Sainte-Rose, plusieurs écoles du bourg sont fermées. Ces pancartes indiquent une réouverture prévue pour le 16 mars. En cause, la présence de rats aurait été plusieurs fois signalée. Devant la mairie, quelques parents d'élèves en colère se sont rassemblés avant d'être reçus par la municipalité. Venus ce matin, nous avons pu, nous avons pu présenter quelque part quelques doléances, alerter aussi sur la récurrence de ces apparitions de nuisibles sur un ensemble d'établissements scolaires sur le territoire. Aux abords des établissements, des déchets sur la voie publique favoriseraient la prolifération de certains nuisibles. Pour ces parents d'élèves, le nettoyage aux abords des écoles va de pair avec les opérations de dératisation. Je suis vraiment à bout, exaspérée parce que trop, vraiment trop. C'est la deuxième fois que l'école ferme à cause de dératisation. Je pense qu'on devrait éventuellement compléter la dératisation par un nettoyage autour de l'école. L'école maternelle du bourg ainsi que les écoles mixtes 1 et 2 sont concernées. La municipalité assure tout mettre en œuvre pour faire disparaître le problème.